Bonjour, ici Laurent Duvernay-Tardif. Aujourd'hui, je m'en vais rencontrer nos patineurs Charlie Bilodeau et Samuel Girard pour une compétition amicale de sport de glisse. Sam, Charlie, un plaisir. On a eu la chance de se rencontrer aux Jeux olympiques de Pyeongchang cet hiver. Vous faites deux sports qui sont complètement différents. Patinage de vitesse courte piste, patinage artistique. Mais vous avez une chose en commun, c'est la glace, ce qui est vraiment pas mon point en commun avec vous. On veut voir à quel point Charlie peut être un bon patineur de vitesse et vice-versa. Donc, je vous invite à enfiler vos sous de patinage de vitesse. Okay. Un aérodynamisme total. Après la frénésie des Jeux olympiques, maintenant le temps de retourner en sol québécois pour le tournoi régional des Basses-Terres. Nous déclarons maintenant les Jeux ouverts. Prenez place. On your mark. Go! Il reste 4 tours et demi. Oh, le dépassement dans la courbe. Félicitations pour la victoire. Merci beaucoup. Bravo, Charlie. J'ai tombé, là. Wow! Ma spécialité, c'est patiner de reculons. Avec des patins de patinage artistique, la même course, mais par en arrière. Je suis game. Ta-da! On a l'embarras du choix. Sam, on va te donner le premier choix, je pense, officiellement. Moi, j'avais choisi les pantalons multicolores. Ça ici, c'est assez flexible. En fait, tu veux que je m'habille en mousquetaire, moi? Je pense que ça serait peut-être possible. Mais moi, je vais essayer ça. OK. Toi, Charlie, tu prends lequel? Je les ai toutes déjà mis, fait que je voulais choisir. Je vous invite à prendre la ligne de départ pour la course à reculons. Deux tours. À vos marques. Prêt. Partez. Sam, on lâche pas. Les gars, c'est maintenant 1-1 dans la compétition. Ça nous prend un vainqueur aujourd'hui. Donc, on va rajouter une troisième épreuve qui va être une chorégraphie que le meilleur gagne. Super. Sam, franchement, bravo pour le costume. Ce qui te mérite la note de 8,3 sur 10, quand même, on l'applaudit. Hein? Bravo, bravo. Charlie, on peut regarder la reprise à l'instant. Tes deux lames de patin n'ont pas touché à la glace durant ta pirouette. Selon les règles, c'est considéré comme une chute. Malheureusement, tu te vois donc disqualifié, mon ami. On a un gagnant, Samuel! Bravo, 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 bravo. Merci. Félicitations. Merci beaucoup. Merci. Merci de vous être prêté au jeu, c'était vraiment cool. Je vous remercie. Merci.